Prends ma décision. Prends ma avancée. Vous avez trois voix magnifiques, mais complètement différentes. C'est ce qui faisait la beauté, ce numéro-là, je trouve. Merci beaucoup. Je pense que moi, j'irai avec Sylvain. Sylvain! Tout d'abord, bravo. Vous m'avez donné des frissons. Tous les numéros étaient d'une beauté, d'une douceur. Je vous aime les trois beaucoup, là. Vraiment. J'irai avec Sylvain aussi. Attends, je vais t'inviter. À quoi? Dans une course qui gagne beaucoup d'argent. J'aime pas ça, ce bout-là, parce voilà, que... je t'invite. Parce que vous avez énormément travaillé. Non, j'ai rien eu. Pour faire en sorte que ce numéro... Ah oui. C'est si, c'est là. Je ne peux qu'être... Tu me laisses gagner. C'est la vraie personne. Non, je sais déjà que les autres personnes, c'est poche. Chanter puis faire les choses à ta façon, tout en générosité avec les autres autour de toi. T'es calme, t'es à ta place sur une scène. Je t'adore, je capote ce que tu fais. Félicitations. S'il y a quelque chose de tellement profond quand tu chantes, on sent que c'est vraiment... Moi, je quitte. Pourquoi? Parce que ça tombe pas. Le braquage. Vraiment, vraiment ça. T'entendre chanter ta vie. Et Philippe, toi, t'es carrément une bête de scène. Je te l'avais dit, là, dès les auditions à l'avec, j'ai pogné pas ce gars-là, là, quand il décide d'ouvrir la machine, là. Puis là, on a vu que t'étais capable de faire n'importe quoi. T'as une profondeur dans ta voix. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est hyper inspirant. Là. Donc, félicitations à toi. Merci. Oh my God. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas très facile. Et il faudra leur dire. Oui, il faudra. Au pire, invite-moi dans le braquage. Il y a plus de braquage. Le choix de Marie-Mé dans 30 secondes. Comment ça, il n'y a plus de braquage? Non, moi, je sais plus faire de braquage. Moi, je ferai des épreuves de bunker. Aïe, aïe, j'ai eu ça, cette affaire-là. Ça me fait délai, je l'ai dépensé. Pour moi, c'est vraiment le lien direct avec le Céleste. Puis s'il y a C aussi, c'est le lien direct. Oh my God, c'est riche, c'est beau. Dès les premières notes, j'ai fait « Wow, tellement de belles soirées. » C'est super romantique. Comment ça fait trop romantique? Je pense que ça, moi, j'étais connectée avec son cœur. Bon, allez. Amen. Allô. Ouais. Non, je suis pas là. T'aurais dû venir, c'est une course facile. C'est la course de la NASCAR. Ouais, mais c'est poche.
il y en a trois qui se sont crashés, je suis quatrième. Ne manquez pas, la page junior de leur spectacle. Le centre Pignon 3 à Québec le 9 décembre, le centre Bell à Montréal le 16 décembre. Place pour toi. Billets en vente dès maintenant. Je me mettrai à voir rien encore. Demain soir, 19h, pour connaître tous les secrets des coulisses, ne manquez pas la Roi Junior Extra. Quand Alex m'a mis dans ma tête, c'était... Pour revoir les prestations des candidats, rendez-vous à TVA.ca ou téléchargez gratuitement l'application TVA. Dimanche soir prochain, 19h, c'est le deuxième ronde des duels. Les coachs courent. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et tout le monde gagne. Ah, t'as gagné. Bravo. Une rencontre. C'est fou, ça. Émouvante. J'ai fait peu importe à souffrance la grande. Femme d'ailleurs. Étonnante. Pourquoi t'es pas parti chez vous? Désolée, je suis préparée. Au moins une fois par année, je serais jamais en presse. Surprenant. La vraie matière, moi j'ai le goût de faire de quoi? Je sais pas. Des épreuves de survie. Bon, allez, le mec, il est sérieux. Ils savent pas jouer, les gars. Bah, viens, on va faire des épreuves de survie. Bon, allez, deuxième fois que tu m'as pris dans son truc. Allez, je dois tous les rattraper, je suis tout dernier. On est assuré social, manger, c'est évidemment, quand on est forcé de vieillir rapidement, ben... Bon, allez, putain, c'est fait exprès! Je deviens un être en état de survie. Avec l'idée que tout le monde... J'étais premier, je suis tout dernier, voilà, c'est bon. Je serai jamais les rattraper, là, c'est mort. Des épreuves de survie. Attends. Moi, faut que je rajoute une nouvelle arme. Je vois rien sur ça. Allô? Faire une épreuve de survie. Attends, je termine vite ma course. Ok, pendant ce temps-là, moi je vais m'acheter une arme. Oui, ça va bien.
Aurais-tu la plus belle internet? T'as pas de bon sens, on est chanceux. Bonjour. Enfin, vous êtes beau. Et d'aller chercher des petites prunes. C'est mes prunes. J'ai un rêve. Je suis content de te voir. Peut-être même aussi. T'es quelque chose avec le prix, on est tous tes documents. On va passer une belle fin de semaine. Ça va, j'ai fait. Voilà, Philippe. Protocole, c'est minute. Ah, non. Moi qui ai acheté du bon vin en plus pour mettre ça. Hey, oh, mais regarde, on va-tu lâcher le médicament? Est-ce que vous connaissez? Ben, on s'est jamais rencontré. Hein? Steve et moi, on se connaît, on a déjà reçu ensemble. Ouais. Est-ce que tu sais ce que Steve fait dans la vie? Ben, je suis pas sûr. Ok, je suis pas tellement. Ok, je m'excuse, Colin. Ben non. Mais qu'est-ce qui nous rassemble? C'est quoi? Ouais, avez-vous un lien en commun? On est tous adoptés, ça? Oui. On est tous mariés? Oui, non. Mais non. Alors, je suis mariée. Mais tout dans ton histoire, c'est que tu as eu une enfance qui n'est pas comique, hein, disons-le, mais tu as quand même réussi à nous faire rire comme personne. Ouais. Donc, plus de 1 million de billets. Toi, tu es la preuve vivante que quand on veut, ouais, on peut. C'est juste ça. Steve Bégin, numéro 22 des Canadiens de Montréal, 25 des Flames de Calgary. Est-ce qu'on va découvrir? C'est comment le petit gars, qui n'avait pas nécessairement le plus gros gabarit, a réussi à faire sa place. Un petit gars qui est... Attends, j'ai acheté des armes. Un peu poqué, disons-le, à Trois-Rivières. Okay. Et t'as réussi à jouer plus de 500... Moi, je suis prêt, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends. 2, 6, 8... 10, 12 ans. Ben, je vous laisse entrer, allez-y faire vos mariages. Invite-moi, car moi, après, je vais dormir. Après cette partie. Ok, mais invite-moi dans une épreuve de survie. Ok. C'est quoi déjà le. N'importe quel. Ah putain, je suis fatigué. J'ai deux fusils à pompe. J'ai deux fusils genre mitraillettes. Quatre fusils légers, genre des mitraillettes légères. Un affrontement? Non, une épreuve de survie. Ah, la survie. Puis tu vois, c'est des containers. Ah, mon Dieu! Ah ouais, je vois, c'est quoi? Meurtre raffiné. C'était que ça se lance. C'est laquelle que t'as pris? Non, c'est une au hasard. Okay. Il a fallu que tu partes là parce que tu savais que tu voulais passer à un autre niveau, il fallait que tu partes. Est-ce que la décision était difficile à prendre pour toi? J'attends qu'il me recherche une partie. Et moi, j'avais que si je voulais aller aux Olympiques, je prenais ça. Mais qui s'occupait? J'étais dans les pensions. Non, mais fais sport en ligne, activité ou activité, fuck stop, tu fais preuve de survie. J'oublie à chaque fois ça. Marie-Pierre, te souviens-tu à tous les dimanches soirs de chercher au terminus d'autobus? Et je me souviens de ton retour de fin de semaine, de l'accent grave, quand tu es entré dans la voiture, tu m'as dit. Là, j'ai discuté avec mes parents, là, puis faut que je coupe le cordon ombilical. que je veux faire, que je veux me concentrer là-dessus. Je te souhaite beaucoup de bonheur, la santé, le meilleur, quoi. Je t'aime. Meutre raffiné au pire. Prends elle. Attends, elles sont en train de même quand même partir. Ah mais non, ça m'a mis. Ça m'a mis dans un braquage là. Non, non, quitte. Et ma maison est en dedans, moi.
C'est tout le temps eu ce feeling-là. C'est bien partout aussi. Bien partout. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aussi, c'était une façon pour toi? Oh mon Dieu, Seigneur. Attends, start. On était chez nous. Activité, activité rapide. Vous voyez, au milieu, il y a une survie. Quand j'étais en pension, je laissais un bout à ma pension puis un bout à mes dernières dimanches. Fait qu'elle était séparée. Ça prenait ça, ça prenait mon cochon, ça prenait le foulard de ma mère pour sentir son odeur pour m'endormir. Fait que oui, j'étais autonome puis je voulais partir, mais j'avais encore. Si j'avais encore. Moi, tu vas s'inviter? Attends, faut attendre que ça arrive. Hein. Eh, si c'est la belle chic. Hein. Il y a une course en relais. C'est... Non, je veux une épreuve de survie. Il n'y a pas la survie. Hein. Oui, je... Ça fait la troisième fois que je fais ça. Ouais, mais tu fais créer par accident, tu fais ça, puis tu fais lancer l'activité. Tu fais pas le téléphone, tu le fais par start. Ma mère est pas là, c'est parce que j'ai au port. Ah oui, c'est bon. J'ai pas grandi. Ta mère est partie quand t'avais... C'est bon, j'ai trouvé comment faire. Mon père, il était alcoolique longtemps, ça fait 15 ans qu'il arrêtait de boire. Puis c'est ça, c'est moi qui l'ai rentré au AA. Puis là, il a plus jamais touché à la boisson depuis ce temps-là. Fait que, quand t'étais jeune, est-ce que t'avais l'impression d'être un peu le père de la famille des fois? Ben, je pourrais dire que oui. On était sur l'insertion. Inviter un joueur. Mes amis. Manger, mettons. Vite. Voilà, je t'ai invité. Un parfait, c'était un gâteau, un Joe Louis, mettons, une barre de chocolat, un chip. C'est bon? Moi, j'avais tout là-dedans. Pis pour la vache, ça cherche sûrement, ouais. Je faisais sûrement tu ris, c'est pas ma préférée, mais bon, c'est pas grave. C'était comme pas beau. C'est bon, on est quatre. Non, elle est pleine. Tu sais, je faisais le ménage. Je suis pas dedans. Quitte, je suis pas dedans. Trop tard. Mais là, quitte, pareil. Mais il nous a jamais battu, il a toujours été fin, il nous aimait. Puis, attends, je vais quitter. C'était comme une idole parce qu'il était, tu sais, malgré ça, il y avait des qualités. Tout le monde dans la faut que je quitte tout, ça me passe le coup. Que t'as plus grande qualité en tant que joueur. T'es travailleur, puis je trouve ça beau. Ouais, c'est ça. J'ai trippé sur le hockey. J'ai toujours eu un rêve à partir que j'ai commencé à jouer, c'est à jouer au hockey dans la Ligue nationale. Puis j'ai jamais été gêné de ça. Okay. Moi, j'allais faire, je vais jouer au hockey dans la Ligue nationale. Ah, ouais. Des gens en arrière de toi. Ben oui, tu sais, les plus vieux, t'as des potes à manger, moi j'ai pas dans la tête, je vais le faire. C'est un peu comme, oui c'était le hockey, mais c'était aussi, grâce au hockey, je vais sortir d'ici, je vais faire ma vie. Ben c'était ça, ouais, parce que moi, ben j'ai toujours dit à mon père, tu père, je t'aime bien gros, t'es mon idole, tout, mais je veux pas être comme toi. Ben j'ai un frère, un père de se faire dire ça. Ben non, parce que lui, il a dit, je te souhaite. Puis je veux pas que tu sois comme moi, tu sais, il voulait pas que je sois sur l'aide sociale, il voulait que j'aie une belle vie quand même, là. il voulait que je m'en sorte, puis lui croyait. Mais faut que tu rejoins, là. Non, après je vais dormir, ça va pas. Toute la nourriture, le moi ça fait chargement. D'affaires, c'était tout le temps ça, moi aussi, parce que mon père est mort, j'avais 9 ans, fait que ma mère s'est débrouillée tout seul avec 95$ par mois. Bon, ok, j'arrive dans une session. Ah oui, mon père c'est un homme... Deux, tu m'as invité, là? Ma mère, elle a vécu le camp de travail, le camp de concentration, fait que c'était comme 4 pieds 11, mais il n'y a pas personne qui va m'écœurer. Maurice est devenu la... Tu m'as invité dans une épreuve de survie? Plus jeune qu'elle. Toi, toi. Sa soeur, mon père, est tombée enceinte à 39 ans. Elle ne voulait pas le garder parce que, bon, elle reste encore chez sa mère, c'est une vieille fille, tu sais. Fait qu'elle a demandé à Maurice et à Armand s'ils voulaient m'adopter avant de me donner à des étrangers. Je suis venue au monde en septembre 1955, ils sont venus me chercher en avril 1956. Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu? Fait que t'es restée avec ta mère de musique. Non, j'ai pas l'enfant de OK. Ouais, fait que je pense que ma mère adoptive. Voilà, t'as reçu une invitation, non? Fait qu'elle n'a pas le goût d'avoir d'enfant. Pas encore, attends, ça doit recharger. Fait que finalement, ben,
Voilà. De tes côtés, là. Moi, j'ai reçu. Puis à chaque fois qu'il y avait des réunions, ma grand-mère, elle me serrait fort. Puis elle me demandait pourquoi c'était ma tante-là me serrait plus fort. Tu savais pas, toi? Non, je savais pas. J'ai les 16 ans. Moi, j'ai les 16 ans, puis je l'ai pas pris. Tu l'as découvert toi-même ou bien ils te l'ont dit? Non, c'est ma tante qui était chaude qui me l'a raconté. Tu as fait récupération des détails. A dit à ma mère, une journée de fête des mères, lise le. Tu me dis que quand t'es là? Non, j'arrête pas long, là. Trois jours sans me parler. Puis là, à un moment donné, elle me dit, ben, tu veux y aller avec ta grand-mère? Ben, vas-y, mais je veux plus jamais y aller, tu sais. Puis en plus, elle avait perdu mon père. Parce que ton père est décédé quand toi, t'avais 9 ans. Ouais, j'avais 9 ans, puis on l'a vu, là. Je suis arrivée de l'école, il était à terre, là. On a ouvert la porte, il était là, il était crise de cœur, ouais. Moi, je savais que je perdais mon chum. Mon père, c'était mon. Vous êtes même. Exact. T'sais, des amis, là. T'sais, même si j'avais 9 ans, t'sais. Quand ta mère est venue le ramasser, là, elle m'a regardé d'une façon que c'est pas ça qu'elle voulait comme vie, là. C'est avec lui qu'elle voulait vivre et non pas avec moi, t'sais. Allez, rejoins-moi vite. Quand tu penses à ton adolescence, mon adolescence, c'était de la merde. Même au niveau de la sexualité, c'était de la merde. Attends, ça bug, là. Ça, c'était tellement de la merde que la journée où j'ai dit « j'en peux plus », c'était une accumulation de tout ça, tu sais. Puis là, j'ai pris un paquet de pilules, n'importe lesquels. J'arrive pas non, là. Puis là, j'ai commencé à avoir des gros symptômes de perdre l'ouïe, transpirer. Là, je l'ai dit à ma mère, ben, j'ai vraiment eu peur de mourir. Puis, quand je suis arrivée à l'hôpital, bon, ils m'ont fait un lavement d'estomac, ils m'ont passé devant un psychiatre, puis après. Ça bug. Bon, ben, laisse faire. Mais elle est rentrée dans la chambre, il y avait des fois que le lit, moi, je suis en train de me changer les toilettes. Elle, quand elle arrive. Ça se fait arrêter de jouer? Une drôle, puis d'oreiller, elle a fait, ok, elle est morte, puis ils me l'ont pas dit, tu sais. Non, moi, parce que ça bug pas, ça veut pas faire. Ça veut pas marcher. J'ai fait, peu importe ta souffrance, la gueule. Ça veut pas fonctionner, fait que bon. Laisse faire. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Pas après tout ce qu'elle a vécu. Moi, je pense que je vais arrêter de jouer. Ouais, t'aimes vraiment. Ouais, mais tu sais, quand t'as envie de te soucier, dommage. Je vais manquer à qui? Ouais. Ça va faire de la peine que je parte, tu sais. Elle était forte. Ben, forte. Ok. J'ai survécu. Ben, moi, c'était quand même, tu sais, c'est tout le temps des histoires de survie.